Ce qui m'a le plus touché, c'est de voir les familles avec les enfants qui ont tout perdu. Ils sont dehors, sans nourriture. Ça me rappelle mon histoire. J'ai appelé Tania direct et j'ai dit « je veux donner 170 euros ». Il m'a attendu avec 12 sachets pleins de petites monnaies. J'ai dit, Jojo, t'as pas d'argent, tu dors dans la rue. C'est pour toi, pour manger, pour acheter le café. Il a insisté. Il a une qualité de générosité exceptionnelle. Je pense qu'il s'intégrera. On va faire le maximum pour lui. Et je suis intimement convaincu que ça sera sa fierté à lui aussi. Je n'ai jamais pensé avoir un appartement. Pour moi, c'est une opportunité de tout recommencer.